Tatamayo, Tatamayo, Matera Buntobu. You Matero to his Obamae. Bama Sara Kebe Pum Pum. Bama Satero Dongi Chancharan Chong. Bamba la Boitu. Bonjour Patrick. Yo Anto, bonjour. C'est comment? Vous êtes rentrés ensemble? Un fiasco. Un fiasco comment? Je suis sûr que tu es arrivé en retard. Ou elle n'est pas venue? Rien de cela. Elle ne veut pas de relation avec moi. Elle trouve que je suis quelqu'un de bien et même comme un ami. Et c'est ça qui te fait penser que c'est un fiasco? Écoute mon ami, la femme est comme un siège à la présidence en politique. C'est à force d'insister qu'elle comprendra que tu tiens réellement à elle. Les femmes ne disent jamais oui. Eux, le tu es découragé, prouve-le plutôt que tu tiens à elle. Et qu'elle peut te faire confiance. Le lover. Pourquoi tu es célibataire, Anto? Peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé une femme qui m'oblige à l'aimer plus que la politique. Merci pour tes précieux conseils. On va être bientôt en retard. J'ai dit, Pat. On est obligé de partir à la virée alors qu'on ne gagne rien là-bas. Essaie de faire deux jours au quartier. La nuit va te tuer sans compter ceux du quartier qui te traiteront de voyous. Mais attends, c'est à cause de ce que les gens vont dire qu'on doit fuir nos maisons même si on ne paye pas. Tu as une autre solution. Il y a un parti politique qui vient d'ouvrir là au quartier. Et ils ont fait des choux gras. On peut adhérer là-bas non mon frère. Mais qui t'a dit que les militants d'un parti politique ont un salaire? Ils sont nombreux à faire des nounous et comptent que les femmes leur apportent à manger chaque soir. Allons au travail. Là, c'est tout comme ça. Allons, on va travailler. Naomi, où vas-tu avec le sac? Je t'ai dit que j'allais à Yaoundé pour poursuivre ma formation. Moi, je ne savais pas que c'était aussi tôt. Ça veut dire que tu dormais hier quand j'appelais mon oncle pour lui dire que je venais aujourd'hui. J'ai tellement repoussé que si je ne le fais pas maintenant, il se fera tard. Et moi, je fais comment? Tu as la maison pour toi seule, maman. Je dois poursuivre mes rêves. En les repoussant, je ne fais que les retarder. Reste encore quelques jours, ma fille. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas été là pour toi. Mais je vais changer. S'il te plaît, ne t'en va pas. Maman, je vais juste pour une formation. Et on dit c'est 45 minutes d'ici. Donc, on pourra se voir chaque temps. Naomi, je sais que c'est mon comportement qui te pousse à partir. Je vais changer. Je serai là pour toi. J'ai assez souffert de l'absence de ton père que je ne sais pas ce que je deviendrais si tu me quittais. Maman, lève-toi. Tu me fais pitié. Écoute, papa est mort. Moi, je vais juste pour mon avenir. En plus, on parlera chaque temps, ok? Oui, madame. Ok, madame. Quand ça? D'accord, madame, j'y serai. C'est qui? Anto, j'ai un boulot. Hein? Tu te rappelles de l'entretien que je suis allé passer il y a 3 mois? Tu as fait plusieurs entretiens, mon ami. Dis-moi plutôt ce qui se passe. C'est la secrétaire qui m'a appelé, m'annonçant que j'étais retenu. Je dois passer au bureau aujourd'hui même pour négocier les modalités de travail et de salaire. Discuter du salaire? Tu seras salarié. Je te dis, Anto, Dieu exauce nos prières. Naomi doit savoir cela. Mon ami, allons échanger. Attends, Anto, c'est mon travail, tu te rappelles pas? Tu dois aller au travail. Je savais.
Maintenant que tu as un boulot, même ta façon de me parler et me traiter a changé. Je savais bien que tu caches ton côté politicien. Ils ont besoin de peuple quand ils ont besoin de vote. Mais une fois élu, ils disparaissent et mangent seuls. Laisse-moi partir. Tu seras informé de tout à mon retour, s'il te plaît. Et peut-être que maintenant, j'aurai assez de temps et d'espace dans ma tête pour t'écouter me raconter le fonctionnement de la politique. À bientôt. Je ne suis pas encore partie, Djeria. Naomi, et ta formation, c'est pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de l'institut et de l'argent que ça me prendra jusqu'à la fin. Pourquoi tu ne nous amènes pas avec toi? Je voudrais bien, mais seulement je ne connais pas l'attitude de mon oncle chez qui je vais. Et en plus, je ne pourrais pas lui imposer la présence des gens. Mais toutefois, quand je serai plus stable, vous viendrez me rendre visite. Et voilà comment les amis se séparent. J'espère au moins que tu seras là quand je mettrai au monde mon bébé. Si seulement tu as déjà trouvé le père, pourquoi pas? Les filles, s'il vous plaît, promettez-moi que de temps en temps vous allez rendre visite à ma mère. Tu peux compter sur moi. Oui, dans mes bras. Julia, arrête quand même. Ne te fais pas de mal, elle ne va pas vous mettre long. Oh, oui. Oh. Bon après-midi, mon fils. Merci, maman. S'il te plaît, je voudrais parler à Naomi. Elle ne t'a pas dit qu'elle voyageait? Non. Naomi doit être à Yaoundé en ce moment et ne va pas revenir d'aussitôt. Des soucis, mon fils? Non, maman. Je viens juste de me rappeler que j'ai oublié de faire quelque chose au travail. D'accord. Bonne fin de soirée, mon fils. Merci, maman. Merci. C'est quel manque de considération, ça. Nous étions pourtant ensemble hier. Elle ne m'a pourtant pas dit qu'elle quittait la ville aujourd'hui. Bama la me mumar la ep kendem.